You look lonely. I can fix that. Oh, j'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. J'ai cru qu'il allait aller dans la morgue. Eh. Non, je vais pas te taper parce que en vrai j'ai besoin de toi pour réparer ma combinaison. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e épisode. Si je dis pas de bêtises. Eh, tu vois mon bon beau tabouret là? Il est beau mon tabouret hein. Eh. Paf, voilà, ça régale. 7e épisode de Prey, notre aventure spatial, spatio-horrifique. On s'en était arrêté là les amis, on était dans... Bon, malheureusement on n'a pas pu rentrer dans la morgue dans le dernier épisode, mais c'est pas grave. Aujourd'hui voilà, on va atteindre le TEG pour continuer notre incroyable aventure. Je ne sais pas ce qui va nous attendre, mais en tout cas l'épisode précédent était fou, riche en action, et on a pu avancer. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. On a également un truc, un tableau électrique ici. Ah, j'aurais pu le scanner. J'aurais pu le scanner. Monsieur, bonjour. Allez, on scanne le fantôme. What? Eh, faut arrêter les musiques qui font peur, il a disparu. Comment ça? Eh ben, ça commence bien cet épisode. N'oubliez pas le pouce bleu! Bien sûr! Je me chie dessus. Il a disparu. Fantôme, cadavre, il est mort. Oh, il est mort. Mais non, c'est une zone safe. C'est une zone safe. Les tourelles éradicatrices automatiques. Le dernier rempart de défense de Transtar contre un débordement. Plutôt léger comme dispositif. Mais elles sont faciles à fabriquer. Leur point fort... C'est le psychoscope intégré. Il fait la distinction entre cible extraterrestre et humaine. Ça ne devrait pas vous poser de problème, puisque vous êtes humain. Oh ! Ok ! Donc là, c'est une petite zone safe. Ça, ça fait plaisir. On va analyser un petit peu tout ça avant de rentrer dans le TEG. Surtout, qu'est-ce qui se passe par là ? Material extraction. Ah, mais on va arriver de l'autre côté. Ah, bah attendez, c'est superbe. C'est superbe. Eh oui. Absolument. Et voilà. Ah, c'est trop bien. Du coup, maintenant, c'est ouvert. Et on peut toujours pas aller là. On peut toujours pas aller là. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Là, on avait les matériaux exotiques ici. Ah, c'est fou. J'adore ce jeu. Allez, on y va, les amis. Je sais pas ce qui nous attend. J'avoue, j'ai un petit peu peur. La musique n'est pas très rassurante. Il me faudrait un recycleur. Voilà, je... Je le répète encore et encore. J'ai toutes mes barres à 100% en bas à gauche, ça fait plaisir. Allons-y gaiement les amis. On va avoir le droit à un petit chargement d'ailleurs. Allez, à TEG. C'est maintenant. C'est pour vous, c'est Bibi qui régale. Les tunnels d'entretien gravitationnels. Très bien, il y a de la microgravité en gros dans les TEG, dans ces tunnels. Ok, nous y sommes. Ok. Morgan, où allez-vous? Vous ne pourrez pas utiliser le module d'évacuation d'Alex sans... Attendez, qui êtes-vous? Veuillez vous identifier. Ah! Morgan, c'est January. Cet opérateur était un modèle ancien et défectueux. Ou encore pire. Alex, les Typhoons, ils sont tous contre vous. Ayez confiance en vous. Dans la vidéo que vous avez faite, nous devons récupérer la clé d'armement et détruire Talos One avant qu'il ne soit trop tard. Alors... January c'est notre frérot. Par contre December c'était notre frérot aussi. Et j'ai l'impression que January et December, ils sont pas très copains. Sachant que Alex notre frère. Oh, il se passe trop de trucs. Par contre il y a un recycleur ici. Comment te dire que je suis absolument au paradis. Voilà, je vous le dis, je suis au paradis. On va tout dégager. Sauf ça également. Les pièces détachées. Je suis désolé, pour le moment je vois pas à quoi ça sert et je pense que ça ne me servira pas parce que mes armes sont illimitées. Neuromode on garde, matériaux synthétiques justement on garde, on va faire un petit tri. L'heure on garde, les matériaux justement, circuit imprimé grillé, charge recyclante. Ok,
qui attire tous les objets dans un proche périmètre et les recycle. Ah oui, non, mais ça je garde. Charge IEM également. Charge via pompe. Restore 5 points de santé, je garde. Ça, c'est les balles. Anti-rad, les pilules. Et anguille gelée, restore 5 points de santé. Bah, j'avais des médocs en vrai. Ah, mais j'ai trop de trucs sur moi. Ah oui, ça, je peux jeter aussi du coup. Voilà, parce que ça, j'ai en double. Ah, c'est ça qui prenait de la place, messieurs, dames, bien sûr. Voilà, voilà. Y a pas moyen de faire encore plus de place. Un groupe de cellules. Eh ben frérot, ça bien sûr. Et voilà quoi. Bon, restore 5 points de santé. Ouais, si, quand même, c'est important. Ça me paraît déjà pas mal. Ça me paraît déjà pas mal. On va récupérer pas mal de ressources. Et ce n'est pas fini. Oh là là, regardez-moi tous ces matériaux là. C'est un bonheur. Là, on peut appeler un opérateur. Et d'ailleurs, comme j'ai pris le hacker numéro 2, je vais pouvoir le hacker. Et ça, ça fait plaisir. Hop là là, je galère un petit peu. Allez, grouille! Oh non, j'ai trop le seum. Eh ben, je vais réussir à foirer, c'est la première fois que je foire. Impeccable. Oh, c'est dur. Oh, j'ai... Oh, il me restait 8 millièmes de seconde. Voilà, donc là, je peux demander des opérateurs. On va déjà en sortir un. Demande de nouvel opérateur. Ce sera déjà pas mal. Mais c'est opérateur de quoi, en fait? C'est pour les combinaisons ou pour les soins? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je prends. Laurel, il y a toujours un moment dans la vie d'un homme où il regarde vers le futur. Notre futur. Ah, Laurel, me ferais-tu l'honneur d'accepter cette marque d'amour et ridicule nulle pourrie? Oh, c'est trop mignon. Je crois qu'il était amoureux. Il était amoureux de Laurel. Ça devait être une chouette personne. Cette femme. Les pièces sont expédiées. Les défaillances électriques posent toujours problème dans la sous-section 19. Quand est-ce qu'on finira par recevoir les composants électriques de rechange? Bonne question. Voilà, écoutez, je recycle encore juste ça parce que bon, on va pas se casser la tête. Ça, ça va nous permettre de réparer l'arme, on s'en fout. Voilà, et on est bon. On est plutôt pas mal. Voilà, allez, c'est parti les amis. J'espère que vous kiffez jusqu'ici. Est-ce que je passe là? Oh waouh! Ok, ça y est, je suis dans l'espace de nouveau là. Ok, Eric Berger. Merci Eric, c'est gentil. Ok, allez go. Ces tunnels courent sous toute la station. Il s'agit pour la plupart de conduits transportant de l'énergie, de l'eau ou de l'air. Mais les opérateurs s'en servent aussi pour transporter du ravitaillement entre la zone de fret et l'arboretum. Étant donné le faible nombre d'employés assignés ici, je m'attends à une présence minimale de Typhoon. Mais je peux me tromper. Ah. Donc ça peut être safe, mais pas trop non plus quoi. D'accord. Ok. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que c'était que ce machin explosif? Attends, il faut que je scanne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nid de kystoïde. Faiblesse aucune, immunité aucune. D'accord. En d'autres mots... Oh mais ça fait trop peur. L'enveloppe extérieure des nids de kystoïdes étonnamment fine semble être constituée de la même matière que les typhons. Ne pas toucher sauf si on veut finir irradié ou avec une nuée de kystoïdes aux trousses. Ouais, on peut rien faire contre eux en fait. On peut rien faire contre eux. Impeccable. Ah du coup il y en a un là-bas aussi. On a pu les détecter grâce au scan. C'est génial. Éteins la lumière là. Bon. Bon, bon, bon. Même pas le temps de scanner, quoi. Yes. J'ai réussi. Spécimens sont requis. Attends. Je vais y arriver. Je sais pas trop où je vise, les amis. Recherche terminée. Ok. Cystoïde, voilà, c'est ça la vraie créature. Parce qu'on a vu les nids, maintenant c'est la vraie créature.
Mais pareil, on peut rien leur faire en fait. Pouvoir à scanner, ouais, d'accord. Attirer par le mouvement, lancer un objet pour les distraire et essayer de les regrouper pour les éliminer plus rapidement. Libère un nuage de radiation quand ils meurent. Oh là là. Donc si je bouge, ils me voient. Ah ouais, d'accord, j'ai capté. Oh là là. Bon, moi, faut que j'aille en face. Alors. Faudrait que j'envoie un objet pour les attirer. Puis comme je vais tirer à côté, ça va être génial. Vas-y, je vais envoyer là-bas. J'ai réussi. Je les ai attirés là-bas. Oh, ils meurent! Ok. Ils explosent contre les parois. Ok. J'envoie ça là-bas. Magnifique. C'est magnifique. Donc là ils sont morts, il n'y a plus personne je crois. Bon, il y a encore un nid qui nous attend là-bas mais ok. Par contre il y a des trucs à récupérer là non ou bien? Fil dénudé. Ok, ça à tout moment ça explose. C'est quoi ça? J'adore, il n'y a pas de notion de haut, de bas, c'est impressionnant. Allez, on continue. On a encore pas mal de nids. Jusqu'ici, tout va bien. J'essaie d'être discret. Parce qu'ils sont pas sortis de leur nid là en vrai. Ah merde. Ah non mais il y en a partout là. Attendez, si je passe discrètement en vrai. Si je passe discrètement. Ah. Il y a de la radiation, d'accord. Bah je vais passer par en dessous, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah mais dans tous les cas il y a de la radiation. Attendez, je vais essayer de passer discrètement. Ok, ça passe. Tout doux. Tout doux. Ça passe. Oh, je peux aller là et tout. Non, c'est incroyable. Je peux aller là? Je peux pas. Ok. Par contre, niveau radiation, c'est pas bon là, faut que je me dépêche. Allez! Ça passe crème. Oh là. Oh là, c'est pas jojo. Oh là là. Oh la vache à la gigine. Bon, ils sont tous en train d'exploser là. Non mais on dirait les atomes. On dirait des atomes. Par contre. Je. Objectif multiple. Ok. Je suis censé faire comment là? Magnétosphère, ok. Cargo tunnel. Et on peut ouvrir la porte ou. Qu'est-ce que je suis censé. Attendez, voilà, il y a un truc que je comprends pas là. Qu'est-ce que je suis censé faire en réalité? Atteignez l'arboretum, bah oui. Eh bien. Niveau transitoire. Niveau transitoire. Ouais, je suis en train de monter en fait. Au fond, je suis en train de monter. Gris. À mon avis, il y a un accès que j'ai pas forcément vu. Notamment dans les conduits où je suis là. Attends, là, il y a quoi là? Caisse de ravitaillement. Allez! Au secours! C'est bon. Non, j'ai même pas récupéré ce qu'il y avait dedans. Voilà. Bon! Moi, je viens de la Psychotronics. Il n'y a rien à faire dans ce conduit là. Il n'y a rien à faire. Dans ce conduit là.
Me dis pas qu'il faut que je récupère ça là. Il y a moyen qu'il faut que je fasse tout exploser en vrai. Voilà. Ça c'était bien joué de ma part. Je les ai explosés, ils sont en train de... Ah, il y a un cadavre. Ah, verrouiller la porte. N'oubliez pas de verrouiller la porte en sortant, le code est 1851. Et ben voilà. Ce qui me manquait, il fallait que j'aille là. Ok. Maintenant on peut y aller. On se bordit, hein. J'adore ce jeu. Et voilà. Hop. 10. Mince, n'importe quoi. 1851. Le pire c'est que j'aurais pu craquer la porte. J'avais même pas vu qu'il y avait un code en réalité. Bon, je reprends ça, j'aime bien le canon à glu. Bon les amis, je parle pas beaucoup, je suis super focus. J'espère que vous kiffez le gameplay que je vous propose. Adieu. Ah ouais, ils sont vraiment attirés par le mouvement, donc en fait ils s'auto-attirent. Oh les cons. Là à mon avis je meurs si je vais là-dedans. À mon avis je meurs si je vais là-dedans, mais ça veut dire que si je les attire dedans ils meurent tous aussi. J'ai capté. Donc là, je vais récupérer cette porte là, cette grille. Et je l'envoie là-bas. Et là regardez. C'est malaisant. C'était pas vraiment comme ça que je voulais que ça se passe. Oh, ça marche quand même. Oula. On va reprendre le pistolet peut-être. Parce que à mon avis, va falloir que je rentre également là-dedans. Oh là là. À moins que j'arrive à passer là-bas. Bon, ils me font pas trop chier en vrai. Oh, c'est chaud, ils sont à 10 mètres par contre là. Là je suis foutu là. Bon allez, je tente. Ah. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ouais, mais là je me suis fait arnaquer parce que je me suis fait foudroyer d'abord. Donc là j'ai pas compris. J'ai pas compris là. Bon, ça va, il me reprend là, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, il me reprend là, ça fait du bien de pas tout recommencer, donc j'imagine qu'il y a un truc à faire. Oh non. Pourquoi vous venez sur moi les gars? Elle est où la grille? Elle est là. Par ici. Voilà, dégagé. Voilà. C'est écrit quoi là? Monitor station. Ok. 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 Alors par contre, je suis à l'endroit ou à l'envers là? Eh ben, je sais plus qu'est-ce qui est l'endroit, qu'est-ce qui est l'envers, ça me perturbe. Bon, là, ça m'a l'air bon. J'espère. Ah non, il y en a encore là. Oh non. Attendez. C'est horrible. C'est horrible. Faudrait que j'arrive à rentrer là-dedans, mais... Ah oui, ils sont juste au-dessus. Oh! Que veux-tu que je fasse? Bon, je pense que si je passe à côté des nids. Ça passe en vrai, non? Tout doux, tout doux. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh non.
ça passe. Ça passe. Bon, du coup, il y avait rien à récupérer, j'ai trop le seum. Donc là, faut pas que j'aille. Ah, il faudrait que je puisse réparer. C'est quoi ça? Ok, c'est rien. Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Bon, là j'ai eu énormément de chance. Faudrait que j'aille là-dedans, je pense. Ah, comment on pourrait faire? Oh non. Oh non. C'est bon. Disque dur, ça je prends. Oh non. J'essaie de pas bouger hein. Oh putain, y'a pas un truc à prendre là que je peux jeter? Aïe 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 aïe. Attendez, je vais passer par au-dessus en vrai. En vrai. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ce que je suis en train de faire. Je risque de me faire foudroyer là aussi. Réfléchis vite mais bien. De toute façon faut... Faut que j'aille là-bas mais... Attention, empoisonnement pour radiation détectée. Oh non. Veuillez vous soigner. Bah ouais, je veux bien. Oh, oh, j'ai eu si chaud. Oh, j'ai eu si chaud. Ils sont venus sur moi direct. Ils sont venus sur moi direct. Oh là là. Voilà, c'est bon, j'ai peut-être une technique pour les attirer. Non, je sais pas. Mais attends, il est où mon accès là? Je voulais aller à quelque part avant. Là-haut. C'est là-haut que je veux aller. Doucement. 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 J'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Allez, ça passe. Oh la vache. Eh, c'est pas évident les gars. C'est pas évident du tout. Tu sais même pas où est l'endroit à l'envers, y'a pas de notion. Enfin, c'est spatial, j'adore. Psycho. Pardon. Ok, faut que je monte là. Là, c'est... Voilà, c'est de là que je viens. C'est de là que... Donc, faut que je continue à aller là. Opérateur ingénieur, j'ai besoin de toi. Inspection en cours. L'intégrité de votre combiné. Pardon. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon ref? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Morgan, doucement. Cette onde a gravement endommagé votre combinaison. Elle vient de la prochaine sous-station. La magnétosphère entourant Talos One empêche les rayons du soleil de vous cuire sur place. Par chance, le générateur tient le coup. Sachez que tout ira bien pour moi. Alors, c'est quoi ça? Magnétosphère. D'accord. Et là, c'est la suite. Cargo tunnel. Ok, je peux pas y aller comme ça. Oh là là, c'est horrible, j'ai pas envie d'y aller moi. J'ai pas envie d'y aller moi, de toute façon, ça tombe bien. Ah, on a une petite vue sur le... Sur l'espace. Oh, magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. On va aller dans la magnétosphère, du coup, on n'a pas le choix, ça tombe bien. Oh, attendez, bougez pas. Bougez pas parce que là, le kit de secours, c'est un grand oui. Si j'arrive à récupérer, ce serait pas mal. Voilà, c'est un grand oui. Je peux... Attendez, je peux boire, manger, peau de banane. Peau de banane. Bouteille. M'en fout de ça. J'adore. Boire. Voilà, comme ça, ça restaure la santé, c'est pas mal. Et normalement, on est plutôt cool. Ok.
Elle est où la centrifuge? Là, magnétosphère. Magnétosphère. On a un cadavre ici d'ailleurs. Bonjour. D'accord. Hop là, on se tourne un petit coup. Magnétosphère. D'accord. Donc j'imagine qu'il faut aller là. On va perdre la gravité. Enfin, on va récupérer de la gravité, je veux dire. Normale, détectée. Voilà. Let's go! Incroyable! Ce jeu est fou. System offline. C'est fort ennuyeux. Me diriez-vous. C'est moi où je marche de travers là depuis que. Ah, c'est trop bizarre, j'ai l'impression de marcher de travers. Ça, je prends. Ça, je prends. Bonjour. Et là, je pense que je. Ça peut valoir le coup. Ah, je peux pas y aller. Attends. Ah, j'ai pas la force physique. Non, mais attendez, je marche pas droit, les gars. Depuis que je suis venu de là, j'ai perdu l'équilibre, on dirait. C'est incroyable. Alors. Oh merde. Ah, mais c'est réel. Il y a des tremblements. Ça tremble de partout, c'est pour ça que je marche pas droit. Wouah. Monsieur. C'est magnifique. Clé à griffe. Ah, il n'y avait pas besoin. Oh ça. Attends, je peux pas prendre. Je marche pas droit. Oh la cata. Attention, onde de choc plasma imminente. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3. Je me cache. 2, 1. Et ben voilà. Je m'en suis pas trop mal sorti. Putain, je suis en train de boiter, c'est incroyable. Ok, allez, on se dépêche. On se dépêche. Transcribe. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Quoi? Qui est mort? Anders, j'ai essayé d'appeler la sécurité, j'ai essayé. Est-ce que vous avez besoin d'un médecin? Langley, je vous dis qu'il est mort. Très bien, Laurel. Respirez profondément. Racontez-moi tout. Ça va, ça va. Désolé. Anders est entré dans le générateur de magnétosphère pour tester une bobine défaillante. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a eu une impulsion. Je crois que ça l'a grillé dans sa combinaison. Mon Dieu. Laurel, je suis vraiment désolé. Pouvez-vous entrer dans l'arboretum? Non, c'est Anders qui avait la carte d'accès. Très bien. Bien reçu. Écoutez, ne bougez pas d'ici. N'entrez pas dans cette salle. Je vais chercher le chef Elazar. On vous envoie une équipe de sécurité le plus vite possible. Eh, s'il se passe trop de choses, il y a des ondes de choc automatiques qui viennent dans tous les sens. Je sais pas où me cacher. Alors déjà, on va prendre un soin, les gars. Non, on va manger des trucs de soins, là. Comment on fait? Restaure 5 points de santé. Ça, je prends. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent restaurer d'autres points de santé à part le truc de Médoc? Non, bah je le prends. Voilà. Ah, on va limiter la casse. Alors là. Attention, onde de choc plasma imminente. J'ai eu chaud. Attention. Cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bon, je suis à l'abri ici. Je suis à l'abri ici, visiblement. Ah ouais. Bon, les cystoïdes, ça va, c'est pas... c'est super dangereux. Mais... c'est neutralisable. Bon, là... attention, onde de choc plasma imminente. Putain... laissez-moi vivre. Bon, je pense qu'il faut aller là après. On va attendre un peu, attention, là. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans... 5, 4, 3, 2, 1... Voilà.
Bon, qu'est-ce qu'on a en bas là? Erreur. Je peux pas pirater. Là, il y a une porte. Les neuroradios montrent que vos capacités mentales sont au-dessus du seuil maximum. Ceci devrait vous aider. Vos réflexes devraient être plus aiguisés. Le cycle de distorsion, si ça vous intéresse les amis, n'hésitez pas à mettre pause également. Étoile montante, extrait de l'article rapport explosif Layla Sky. Est-ce que ce sont des vrais écrits? Je ne sais pas. Utilitaire, carte de la zone, télécharger la carte. Ah, on a la carte de la zone, donc on a un médicentre. Ah, c'est là que je voulais ouvrir, mais que j'ai pas encore que j'ai pas pu ouvrir. Je sais plus parler, mon dieu. Niveau transitoire, donc on était juste avant, et nous il faut qu'on aille dans niveau direction, c'est ça? Non. Tunnel d'entretien. What? Qu'est-ce que je dois faire? Atteignez l'arboretum, bah ouais. Bah on y est, c'est la merde. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5. Oh non. 4, 3, dis-moi que je suis à l'abri. 2, 1. Oh non. Oh. Ah bah j'ai rien senti. Impeccable. Équipage. Ok. Email. Le bracelet électronique de Josh Dalton Zanik se trouve dans le TEG. Donc de retrouver des équipages, c'est encore des objectifs un petit peu secondaires. Ok. Attention, onde de choc plasma imminente. Bon. On va avancer. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, oh 4, mec. 3, 2, 1. Ah, oh, j'étais pas à l'abri visiblement. Par contre, j'ai trouvé des passages. J'ai trouvé un passage. Ah, oh, je peux pas faire grand chose. Bon, ça va où là? Microgravité détectée. Ok. Je suis censé faire quoi là? Merde! Je suis censé aller où là? Faut que j'aille là-dedans? Qu'est-ce que je suis censé faire? Attention, onde de choc plasma imminente. Gravité normale détectée. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans ben voilà. 5, 4. Là, 3, normalement, je risque rien. 2, 1. Ok, bah, je comprends rien au jeu alors. Je ne comprends pas où c'est que je suis à l'abri et où c'est que je ne suis pas à l'abri. Bon, j'ai rien à faire là-dedans, visiblement. Et je comprends pas où je dois aller. Je vais vite sortir de là. Il faut qu'on puisse aller dans ce... Je viens de là, on est d'accord? Oui, je viens de là. Qu'est-ce que je suis censé faire? Faudrait que je puisse aller là. Ouais, d'accord. Attention, onde de choc plasma imminente. Ok. Comment je peux casser ça? Attention, cherchez un abri. Je sais. Onde de choc plasma dans. Je sais. 5, 4, 3, ah 2, 1. Bon, ça commence à suffire. Docteur Yu. C'est moi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Faut que j'aille voir le cadavre à mon avis. Bon, le seul endroit où j'étais en sécurité avec l'onde de choc, visiblement, c'était là-dedans. Et je pense que c'est pas anodin. Oh! Zeste, cigare usagé. Superbe. Attention, onde de choc plasma imminente. Ok. Alors, je me remets là. Je me remets là, et là, je crois que là, je suis en sécurité. Je suis trop bête.
suis trop bête. Bon. Attendez, juste, y a pas... parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai le machin radioactif. Et j'avais pas un machin qui permettait d'enlever cette radioactivité. Parce que je suis sûr que vous êtes en train de crier dans les commentaires. Alors ça, je vais manger. Clé à griffe, bon ça voilà, circuit imprimé, charge recyclante, charge IUM, cookie, disque digeur, déchets biologiques, hein. Restaure 50 points de santé, psy, ça je me donne, kit de réparation de combinaison, hop, peau de banane, neuromode, ok, modificateur d'armes, ah bah attends, eh, on va se, bah j'ai, je peux pas. Je peux pas encore. Tant pis. Matériaux, pièces détachées, recharge, ressort. Bah j'ai dû jeter le truc. Bon. Microgravité détectée. Il est où le cadavre? Il est où le cadavre? Attention. Bombe de choc plasma imminente. Bah là je vais mourir si je reste là. Gravité normale détectée. Cherchez un abri. Onde de choc plasma dans. Adieu. 5, 4. Là je suis à l'abri là. 3. Là je suis à l'abri là. 2. 1. D'accord. Ça me rend ouf de ne pas comprendre ce qui se passe. Microgravité détectée. Mais il y a bien un cadavre. Là. Nouvelle carte d'accès, let's go. Voilà, c'était ça qu'il fallait depuis le début. Hein. Mais comme je ne comprenais rien. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Je pense pas. Vous avez obtenu une puce. Alors. Ampli d'impact. Augmente les chances de repousser un adversaire avec la clé à griffe. Elle est déjà équipée celle-là. Équipement lourd. Accès à les mouvements et la vitesse de visée. Je l'ai déjà. Augmente la vitesse de glisse du système de propulsion Artax. Ouais, mais moi je veux plus de place pour pouvoir l'équiper. Bon. Allez, on se barre. Attention, cherchez un abri. Une de choc plasma dans. 5. Non, mais là, les gars. 4, les gars, 3, arrêtez. 2, 1. Voilà. Wesh! Wesh! Arrête! Arrête! Non mais là, c'est trop. Allez, on met le jeu en pause, on mange un truc là pour avoir de la santé. Non mais... Faut arrêter, c'est quoi cette histoire là? Non mais c'est une vanne! C'est quoi, c'est corrompu là? Putain, mais c'est pas possible. Vous êtes de quel parti politique? Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je peux pas y aller. Comment? Putain, mais je peux bien y aller, bordel. Map, comment j'ouvre la map? Comme ça? Médicentre, je peux pas y aller. Hein. Je peux pas y aller. C'est quoi ce que j'ai récupéré par contre? J'ai récupéré une carte. Atteignez l'arboretum. L'arboretum. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. J'y suis à l'arboretum là. Ah non. Je galère, mais voilà, c'est par ici, bien sûr. Oh. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Technopathe. Non, mais arrêtez, il y a encore des espèces, là. Ça a pris du temps, mais les réparations des portes du sas de l'arboretum sont enfin terminées, hein. Faudra que je fasse monter un opérateur. Mais c'est quoi, ce truc? C'est pas un méchant, ça.
Ah si. Bon, moi je m'en fous, je vais aller là-haut. Voilà, et là j'ai la carte d'accès. Hop, ça régale. Oh, il y a une petite note. Accès interdit. Ah! Je dois y aller ou... Ils te prennent pour quelque chose d'autre. C'était nous entendre. Je vous dis, projette les nouvelles lignées cellulaires. Elle les combat comme le ferait un antivirus. Oh waouh, on se croirait sur Call of Duty Black Ops. Pour ceux qui ont la ref. Incroyable. Incroyable. Cargo Bay, Shuttle, Arboretum. Tout l'écosystème des Typhoons semble basé sur la création de cette substance. Les premiers chercheurs l'ont appelé corail. C'est splendide. Mais nous ne sommes pas certains de son utilité. Il ne s'est jamais étendu au-delà du cylindre de confinement. Jusqu'à maintenant. Eh, je suis passé à travers. Hein. Je suis passé en mode kamikaze, rien à foutre. La centrale électrique est tombée. Je répète, la centrale électrique est tombée. C'est pas trop tôt, Sam. Chef, j'y connais rien en communication. Je fais du mieux que je peux. Mika, ici le chef de la sécurité, Lazare. Vous me recevez ? Sarah ? Oui, je vous reçois. J'ai tenté de me connecter au système de haut-parleurs. Mon équipe se trouve dans la zone de fret, mais ces choses aussi, elles sont partout. Vérifiez tout ce qui vous entoure. Tapez dessus un bon coup avec une clé à griffe. Commencez par vérifier la clé à griffe. Sam, il a raison. Ces choses, cognez tout ce qui tient debout pour voir si ça vous saute dessus. Trouvez un endroit sûr. Et quand vous serez en sécurité, appelez-moi par transcribe. Je vous envoie un contact sécurisé. C'est compris ? Compris. J'ai laissé mon transcribe dans le centre de contrôle du refroidissement. Je vais le chercher. Je pourrais me barricader là-bas. Tout va bien ? Je reprends juste mon souffle. Sarah, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Mika, mets-toi à l'abri. Puis appelle-moi. Oh la dinguerie, les amis ! Mais c'est incroyable tout ce qui se passe. C'est incroyable tout ce qui se passe. Vous voulez une petite pizza peut-être ? La vie de Transtar, présentation d'un employé. Dans la partie étoile montante de cette édition de La vie de Transtar, nous présenterons Harley Granger, membre de l'équipe commerciale des Neuromodes, actuellement à bord de Talos One. Certains d'entre vous reconnaissent peut-être son nom de par ses années de baseballeur professionnel, pendant lesquelles il était joueur de deuxième base, numéro 66 pour les Tornadoes. Harley a été assigné il y a 2 ans à Talos One et a maintenant fait plus de 50 fois le voyage entre la Terre et la station. Pas mal pour quelqu'un qui a peur de voler. Mon expérience en tant que joueur de baseball m'a obligé à faire face à cette peur, dit-il. Croyez-le ou non, aller en navette sur Talos One est bien plus facile que de traverser le pays en avion de ligne. C'est excellent. Hop, on boit un coup pour oublier, c'est important, hein, bien sûr, l'alcool, attention, hein, c'est pas bien. Non, c'est pas ça la phrase de prévention, mais c'est pas grave, c'est le but est le même. Complètement fou, complètement fou. Allez, on y va. Non, je suis pas sûr, mais c'est pas grave, on y va quand même. Hein. On est là pour ça, après tout, finalement. On avance. L'arboretum est un symbole de la richesse financière et technologique de Transtar. On n'a pas le temps de lire, c'est dommage. Détour. Oh là là. Vous avez réussi. Beau travail. L'entrée du stockage se trouve derrière l'arboretum. Le bureau de votre frère se trouve aussi là-haut. Jupiter dans son palais, sommet des cieux. C'est ce que vous disiez dans son dos. Mais dans ce cas, vous seriez qui ? Neptune ? Pluton ? Deux trucs. Excusez-moi, parfois vous avez vu, j'active mes super pouvoirs sans faire exprès parce que j'ai l'habitude de faire clic droit pour viser. Sauf que si je fais clic droit, bah, en fait ça a fait la grosse explosion. Voilà. Sachez-le, c'est voilà, je suis un petit peu bête. Deuxième chose, vous avez vu à chaque fois on a des petits checkpoints. J'ai l'impression, dorénavant maintenant, quand on avance dans le jeu, j'ai l'impression qu'on a des petits checkpoints comme ça avec un recycleur et ça régale. Maintenant, ce que j'aurais aimé. Et eh bah ben c'est ça, tout simplement, c'est ce que j'aurais aimé. Let's go! Oh mais c'est superbe. C'est exactement ce que je voulais. Non, c'est complètement fou. Ah, des pilules éliminant les radiations. C'était ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Mon dieu. J'utilise. Et là, normalement, j'ai plus de radiation. Très bien. Allez, donc on garde, hein, c'est très important. On va pouvoir jeter. Alors, j'ai un truc en double, c'est ça. Disque dur HS, déchets biologiques. Ça c'est pour réparer les armes endommagées. Échantillon de tube à essai. Tac, tac, tac. Le thé vert je garde.
Les recharges glu, très important. Peau de banane, organe typhon. Circuit imprimé grillé. Et je crois qu'on est globalement pas mal. Et encore, il y a des trucs à récupérer. Transcribe. Pistolet disjoncteur. Waouh. Ici Gia, chef. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous vous rendiez au stockage pour que le chef Shaw réactive le tracker sur Grant, Lockwood. Les RH l'ont désactivé comme prévu, mais nous n'avons aucune info indiquant qu'il soit parti en navette. Je veux savoir où il se trouve et l'escorter où il doit aller. Je m'en occupe. Employé mécontent, voilà, plein d'objectifs secondaires évidemment. Vous l'aurez compris, c'est vraiment stylé du coup, je pense que la durée de vie du jeu est juste colossale. Par contre, du coup, j'ai pas compris le pistolet, à quoi il sert. Surtout comment s'en servir. Des pilules éliminant... Non, pistolet disjoncteur. Une arme à une main lançant des électrochocs, conçue par Throne Tactical. Le disjoncteur immobilise les menaces grâce à un courant électrique de courte portée qui peut assommer les cibles humaines et étourdir temporairement les ennemis organiques. Les ennemis robotiques subissent des dégâts et sont temporairement mis hors circuit. Ok, c'est un truc électrique. Ouais, c'est un pistolet disjoncteur. Très bien, d'accord. Raccourci clavier, il va falloir que je le change. Puisque ça j'ai mis en 1, ça j'ai mis en 2, ça j'ai mis en 3. Du coup je vais mettre le pistolet disjoncteur en 4. Ça me paraît pas trop mal. De toute façon je me connais, je sens que je vais utiliser les... quand même la molette. Et là, bah tu vois là je suis en train de le faire sans faire exprès. Niveau munitions. Niveau munitions de balles. On a quoi là? Ah, on en a un petit peu moins quand même. Hein. Anti-rad, pas besoin je pense en vrai. Hein. Enfin si, mais... permis infini. Vas-y, on va se faire des anti-rad en vrai. Parce que j'ai compris que là on va en avoir pas mal. Et en termes de ressources, on a vraiment ce qu'il faut. Donc on peut se faire plaisir. Bon, c'est pas non plus la folie en vrai. Hein. Je pensais que j'avais un peu plus. Kit de réparation de combinaison. On dira pas non. Voilà, j'ai quoi comme place dans l'inventaire en vrai? Oui. Et puis surtout, bah voilà, maintenant là, ça va être les munitions de... Les munitions, les balles de 9 mm. Voilà. Ah. Voilà. Eh ben les amis! Une bonne chose de faite, la suite de l'aventure continue. Ça fait plaisir. Vous avez kiffé cette vidéo? Eh ben vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, je vous en serai très reconnaissant bien sûr. Je ne sais plus parler. C'est incroyable. Je vais épuiser mes ressources ici en off. Et puis dans le prochain épisode, on se retrouvera avec toutes nos ressources bien comme il le faut. Allez, c'était Mkolo, plein de bisous. A très vite, ciao tout le monde. Tu fais cette vidéo, t'aimes Colo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache nouvelle vidéo.